Yo, salut les amis, comment vous allez bien? Moi ça va super bien, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel unboxing et pas des moindres car comme vous voyez à l'écran, il va, je pense, intéresser pas mal de joueurs PlayStation 3 car c'est le Twist Dock pour PlayStation 3 de chez Vogels. Alors qu'est-ce que c'est que le Twist Dock? Déjà, d'emblée, je pense que ça va intéresser les ménages. Car bien souvent dans les ménages, donc ce ne sont pas des adolescents souvent, qui ont leur console dans leur chambre. Non, 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 la console trône au beau milieu du salon, sur le meuble télé. Et bien souvent, la console n'est pas bien mise en valeur. Alors là, vous allez comprendre, c'est un système de rangement, aussi bien pour les manettes que la console, mais pas que. Vous allez voir après. Alors là, on déballe le carton. Vous voyez qu'il y a des petits compartiments et dans ces petits compartiments, très bien rangés, les différents accessoires qui seront utiles au Twist Dock. Alors ici, on a deux petits adaptateurs qu'on va mettre de côté et qu'on verra par la suite. Vous allez voir, je vous ai fait le petit montage. On va le monter ensemble. Ici, ce sont deux adaptateurs également. Des consoles comme la PlayStation 3, il existe la PS3 Fat et la PS3 Slim. Donc là voilà, ce Twist Dock s'adapte pour les deux versions de console et ça c'est vraiment pas mal. Alors ici on a la prise secteur car oui, le Twist Dock se branche en secteur. Mais pourquoi? Vous allez voir après. C'est bien entendu fourni avec l'adaptateur prise US américaine, enfin voilà. Alors là la bête, le Twist Dock. Le twist, alors ça fait penser tout de suite à tourner, à twister. Voilà, vous allez voir que ce Twist Dock est vraiment très très bien pensé. Voilà, il est gros. J'ai pas les mensurations là. Et voilà, il est gros, il est simple, il est classe, il est sobre, il est brillant. Enfin franchement, il s'adapte parfaitement. Et vous voyez, il tourne. La base reste, elle, collée. Pas collé, voilà, à plat. Alors voilà, les deux manettes, j'ai pris mes deux manettes PlayStation 3 et je vais y insérer les deux adaptateurs en mini USB. Car oui, le Twist Dock ne fait pas que reposer la console, il sert également à ranger les manettes et plus particulièrement à les recharger. Et regardez ce système vraiment bien pensé, vraiment simple. Et ben voilà. Et vous voyez, ça épouse parfaitement la forme de la manette, ça gêne pas au gameplay quand on joue. Alors moi j'ai la PlayStation 3 Slim, donc j'adapte le petit adaptateur. Alors regardez, on pose simplement les manettes, clic, pour qu'elles se rechargent automatiquement. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Vous voyez, ça tourne, et vous allez comprendre. Là, je vais prendre ma console PlayStation 3. Regardez, elle est belle. Et je la pose, voilà. On la pose tout simplement, et puis on peut tourner, voilà. Alors ça cache les manettes, au moins ça fait des rangements pour les manettes. Pas besoin de... Moi avant je les mettais dans mon petit panier sous ma table de salon, mais là maintenant, derrière la console. Et vous voyez comment le rendu est magnifique. C'est magnifique. Alors à l'arrière du dock, il y a un petit interrupteur pour on-off. Et puis, il y a des adaptateurs également USB. Voilà, c'est vraiment élégant. C'est discret. C'est discret. La console est en horizon, en vertical, pardon. Et c'est un magnifique rendu. On voit les lignes et voilà. C'est magnifique. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aura inspiré. À bientôt!